Bonjour les gens, pourquoi j'ai encore ce fond d'écran moi? Hop, c'est mieux comme ceci. Hop. T'as dormi comme un bébé, Manesco? Tu veux dire que t'as pleuré toutes les 3 heures et que tu t'es chié dessus? C'est dommage. Aujourd'hui, tu parles d'une introduction. Aujourd'hui, nous allons rejouer à Divinity Original Sin. Alors, je m'excuse auprès des gens qui ont déjà vu le stream d'hier soir, mais Twitch l'a avalé. Et comme je voulais quand même avoir au moins une vidéo de Original Sin sur mon channel YouTube, il va falloir que j'en refasse une. Du coup, c'est malencontreux, mais bon, j'espère que ça va pas trop vous saouler pour les gens qui ont déjà vu le stream d'hier. Donc on va charger une sauvegarde. Ouais, vas-y, ça fera l'affaire. J'espère que le niveau sonore sera potable, mais a priori j'ai pas changé les réglages depuis hier, donc j'espère que ça changera pas grand-chose. Alors vous pouvez voir que ce n'est pas le même groupe qu'hier, pour une raison très simple, c'est qu'en fait le personnage que j'avais fait hier a été orienté poison et saignement, et il s'avère que lorsque tu te bats principalement contre des morts-vivants, le poison et les saignements c'est complètement inutile. Donc personnage totalement useless. Je dois avouer que je suis pas très fan de ce concept. Mais bon, du coup, j'ai recommencé un groupe avec un personnage qui soit un peu moins inutile. Parce que vraiment, mon sorcière, vu que c'était une witch de sexe masculin, mais mon sorcière était vraiment complètement inutile. Donc, j'ai décidé après 2 ou 3 heures de jeu, hier soir, de reroll parce que franchement il servait à que dalle. Donc j'ai fait un groupe avec un bourrin qui est là, donc c'est Manesco avec une grosse hache à deux mains, et Shoka qui est là, qui est plutôt healer invocateur cette fois-ci. J'ai pas vraiment choisi les classes par défaut cette fois-ci, j'ai créé ma propre classe de manière un petit peu libre. Ce que je trouve plus intéressant. Ça sert vraiment à rien quand tu joues tout seul, mais bon. Je crois que tu peux le désactiver dans les options. Le fait qu'ils racontent leur life tous les deux, parce que ça sert vraiment à que dalle. Les dialogues entre compagnons lorsque tu joues tout seul. Alors je viens de gagner un level, donc on va aller leveler nos charmants personnages. Donc voilà, Manesco, qui est un bourrin à l'épée. Enfin, à l'origine il avait une épée à deux mains, mais j'ai trouvé une hache qui était mieux que l'épée, donc on a équipé la hache. Hein. Dis-moi, elle est pas mal cette hache à une main là. Okay. C'est un peu le bordel dans mon inventaire, il faut vraiment que je trouve une putain de loupe pour identifier mes objets. J'aimerais bien identifier tous ces trucs que j'ai là. Ça m'intéresserait beaucoup, parce que je pense que ça doit être assez fenu. Quelque chose me dit. Je sais pas si on peut utiliser deux armes à une main dans le jeu, ça m'étonnerait. Vu qu'il n'y a pas de classe qui commence avec cette. Ah si, je crois qu'avec le voleur, lorsque tu utilises une dague. C'est pour répondre à Manesco sur le chat qui vient de poser la question, mais je crois qu'avec le voleur, quand tu utilises une dague, je crois qu'il se bat avec deux dagues. J'avais une dague tout à l'heure et mon mec attaquait avec les deux mains. Mais je crois pas que tu puisses faire genre. Que tu puisses faire genre deux armes en même temps. Pour les deux personnes qui me demandent mon avis global sur le jeu, sur le chat, honnêtement, j'ai même pas 3 heures de jeu dessus. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour savoir ce que ça vaut pour ce genre de jeu. Je dois avouer que je suis vraiment pas très fan du début de l'aventure. C'est assez mal équilibré. Je trouve également que le fait que tu puisses te retrouver comme je l'ai fait hier avec un personnage qui dès le départ est complètement useless, c'est le genre de choses qui a tendance à franchement m'agacer. Mais bon, c'est gentillet quoi. Alors, j'ai 2 points de compétence que je peux investir. Ça, ce serait pas mal.
Je vais plutôt investir en armes histoire qu'il fasse plus de dégâts. Ouais. Ça m'a l'air d'être relativement rentable, ça. Voilà. Donc elle, c'est la même psychopathe que j'avais recrutée hier dans la taverne. Avec son épée à deux mains. Elle est très efficace d'ailleurs, je trouve. Elle fait relativement bien son taf. Ouais, on va te mettre un point en armure, toi, ça risque d'être utile. Tiens, derrière, t'as quoi comme armure, toi? Armure 6, est-ce que j'en ai pas une mieux sur WAM? Non, c'est la même que j'ai. Ou du moins, c'est le même score d'armure. Ok. Ok. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai récupéré une meilleure armure pour mon soigneur. Cette hache-là, je vais. Oh, elle a l'air chouette cette hache-là. On va l'envoyer à Manesco parce que je pense qu'elle doit être mieux que la sienne. Ah, et ça, on va l'envoyer à Madora parce que je pense qu'elle doit être mieux que la sienne également. Fort bien tout ça. Ah oui, level up, level up. Qu'est-ce qui m'intéresse avec lui? Honnêtement, je suis pas certain de comment le développer après ça. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup d'intelligence. Je suis pas sûr que ce soit franchement utile d'investir beaucoup plus. Investir en force, ça va pas trop m'intéresser parce que j'ai pas trop l'intention de faire du corps à corps avec lui. Vas-y, on investit en constitution histoire de le rendre au moins un petit peu plus robuste. Pas oublier de valider. Et là, je peux dépenser un point. J'ai pas encore quel type d'arme je vais utiliser avec lui, donc j'ai pas vraiment envie de d'investir trop là-dedans. Je ne suis pas encore vraiment penché sur la. Je me suis pas encore vraiment penché sur la partie artisanat, donc. Je verrai plus tard. Je vais investir là-dedans histoire de pouvoir identifier mes objets plus tard, ce serait intéressant. Au passage, pour les gens qui font un personnage qui se bat au corps à corps, je vous conseille d'investir très vite dans le ski, dans le talent, pardon. Le talent que j'ai donné à Manesco d'ailleurs. Le talent Leech qui est vraiment hyper efficace en fait. Parce qu'à chaque coup qui se fait taper en fait, ça va considérer qu'il est dans du sang. Donc à chaque coup qu'il se fait taper, il va récupérer un peu de vie. Dayton, tu peux vraiment faire une classe. Disons que ta classe de départ, si tu choisis les classes du jeu, va être relativement simple. Mais après, tu peux vraiment partir en slice comme tu veux. Si t'as envie de créer un mec qui d'abord va être un bourrin et ensuite va avoir de l'intelligence et balancer des boules de feu, tu peux. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais tu peux. Effectivement, cette nouvelle hache est bien meilleure, donc on va la filer à Manesco, histoire qu'il puisse coller des gros coups de hache dans la gueule des gens. Bon, j'aurais préféré une épée pour Manesco, parce que généralement dans les jeux, j'aime bien lui coller une grosse épée à deux mains, Manesco. Ça me rappelle l'époque où nous jouions à Neverwinter Nights en coop, et généralement il prenait une grosse épée à deux mains. Pendant que moi je balançais les boules de feu. Donc c'est une question d'habitude. Alors on va commencer à se trimballer. Alors comme hier j'ai fait beaucoup de parlotte, aujourd'hui on va essayer de faire un peu plus de combat, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. Ok. Je pense que ça peut être plus intéressant. Je vais essayer de pas trop me faire ruiner. J'apprécie le fait que les combats sont assez durs en fait. C'est pour l'instant c'est sans doute le truc que j'aime le plus dans le jeu. Ouh, elle est stylée cette robe. Ah bah visiblement elle est plus à la mode, ce qui me fait penser que j'ai pas des goûts très au point à ce niveau-là. Ah. Ok, donc visiblement j'ai trouvé. Alors pour ceux qui savent pas, bah évidemment que vous le savez pas vu que j'ai commencé cette quête en dehors du stream. Mais en gros le capitaine Aureus, là l'espèce de légionnaire qui est un petit peu toujours fâché, m'a en gros demandé d'aller retrouver certains groupes de légionnaires qu'il a envoyés à l'extérieur de la ville. Et là, je viens d'en trouver un, visiblement, qui est un peu mort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter en ville pour aller valider cette quête. Et ensuite, on va aller tabasser du mort-vivant, je pense, dehors. Vous pouvez voir également que la météo est très locale dans ce jeu, n'est-ce pas? Dès que tu sors en dehors de la ville, il pleut, mais à l'intérieur, il fait super beau. Bozard Child, l'inventaire est limité en poids, je peux te l'assurer. En taille, j'ai pas l'impression, ce qui est une excellente chose. Je sais que je critique souvent les inventaires
des jeux auxquels je joue et je sais pas pourquoi je rentre dans cette pièce, c'est pas ici que je veux aller. Mais pour l'instant, j'ai pas trop de critiques à faire à l'inventaire, si ce n'est qu'il est pas très sexe, mais j'ai pas l'impression qu'il soit limité en place, je suis pas certain. Mais les limiter en poids, vous pouvez le voir, je crois que c'est là, voilà. Donc évidemment, je file tous les objets à Manesco parce que comme c'est la brute épaisse de mon groupe, c'est lui qui a le plus de force. Donc c'est lui qui va se charger de porter toutes les babioles que je vais trouver. Au passage, cambrioler les gens est très rentable. Alors, le système de dialogue est assez mal fichu, malheureusement. Donc il va falloir que je passe. Voilà, voilà, voilà. Ça doit être ça, je crois. Où ça? Où ça? Ok. Donc j'ai déjà trouvé un des groupes qu'il avait envoyé, lui, et qui a mené sur une espèce de quête d'escorte qui était très mal fichue. Mais les autres groupes, je pense qu'ils doivent être plus loin. La ville est assez grande, hein, elle est plutôt cool, je trouve, la ville. Et je trouve vraiment les effets de lumière extrêmement bien fichus dans ce jeu, ce qui est d'autant plus étonnant qu'il n'utilise pas DirectX 11. Donc je suis assez surpris. J'aurais pas craché sur des mecs qui marchent plus vite par contre. Mais bon, on va les suivre. Glorieux. C'est moi qui ai torse-poil derrière là? Ah non, ok, c'est mon armure qui est couleur caca. Ok, fort bien. Non, chiche 360. Bah tu vas voir, de toute façon, dès que je vais sortir. Dès que je vais sortir de la ville, tu vas voir en fait comment ça fonctionne la météo et le cycle journée. Voilà, je vais faire deux pas en dehors de la ville, il va se mettre à pleuvoir et soudainement il fait nuit. Donc ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux, mais bon. Alors, je sais pas trop où je vais là, honnêtement, je cherche juste un petit peu la merde. Infrason, je sais même pas de quoi tu parles. La remarque que j'ai faite par rapport à DirectX 11 et aux effets de lumière n'était absolument pas en commun. Donc, je disais juste que les effets de lumière du jeu étaient bien, mais que le jeu ne gérait pas DirectX 11. Je vois pas vraiment le rapport, ceci dit. Oh, le jeu est pas moche, hein, non. Pas super bien animé, mais bon. C'est quoi ça? Explose squeletton, ok, donc j'imagine que tu m'exploses à la gueule. Ah, et des monstres qui spawnent dans mon dos, génial. Donc on va mettre une araignée par là, histoire que les exploses squeletton trouvent que ce soit une bonne idée d'aller se faire exploser à la gueule de l'araignée plutôt que de mes potes. Là, on va passer le tour avec lui. Donc là, nous avons un épéiste à qui on va coller un coup de hache. Ah bah finalement, elle fait pas tant de dégâts que ça, la hache, par rapport à tout à l'heure. Ou alors, c'est juste lui qui est très solide. Oui, Dr. Awak, c'est effectivement du tour par tour. Ce qui est une très bonne nouvelle. Je suis très fier de jouer en tour par tour. J'oublie toujours d'activer sa putain de stance au corps à corps avant d'attaquer au corps à corps avec elle. Là, ça m'agace énormément. Mais bon, je peux pas blâmer le jeu pour ça, c'est ma propre stupidité. Oh, quelque chose me dit que ça va pas tarder à exploser, ça. Essaye de prendre un peu de distance, l'araignée. Je suis assez surpris du fait que les morts-vivants se soignent, mais bon. Ok. Visiblement, l'araignée, comme prévu, a l'air d'être résistante au poison. Oh la vache! Donc là, en gros, la raison pour laquelle ça a autant explosé, c'est que sur le champ de bataille, il y a souvent des tonneaux avec lesquels on va pouvoir interagir. Donc là, j'imagine qu'il devait y avoir des tonneaux de feu dans le coin. Et du coup, mon araignée, elle a fait un petit peu boum. C'est combien de points d'action? Le sort de soin, c'est 4. Donc je vais me balancer un sort de soin. Parce que les ennemis aiment beaucoup aller taper mon healer, ce qui est plutôt une bonne. Enfin, ce qui est plutôt une mauvaise chose en ce qui me concerne, mais plutôt une bonne chose en ce qui concerne l'intelligence artificielle du jeu. Tiens, prends un coup de masse sur la gueule. Je sais pas pourquoi ils vont là-haut, en fait.
J'ai pas trop envie de m'approcher, parce que sinon ils vont balancer des flèches dans la gueule de Manesco. Donc on va plutôt tenter de finir ce jeune homme, là voilà, qui est fait. Et c'est une assez bonne idée d'ailleurs de... Salut Sbeb. De passer les tours lorsqu'il nous reste quelques points d'action dans le jeu. Parce que comme fait très bien de le noter Bon Dinosaur, la barre d'action en bas avec les points d'action fait un peu penser à Fallout. Sauf que dans Fallout, lorsqu'on passe son tour, les points d'action sont ajoutés à notre classe d'armure. Ici en fait, ils sont stockés pour le tour suivant. Donc c'est vachement pratique. Alors après, il y a un maximum qui est dû à une de nos stats, je me rappelle plus laquelle. Mais c'est assez pratique en fait de stocker les points d'action pour plus tard. Donc ça c'est la capacité de charge qui va me permettre de faire tomber ce jeune homme. Malheureusement je peux pas lui coller un coup dans la tronche. Okay. Les archers font très mal mais ils ont pas l'air d'être très précis sur la longue distance. Donc il est peut-être pas une mauvaise idée d'essayer de les kiter un peu. Donc là, avec mon mage druide, entre guillemets, j'ai pas grand chose à foutre. Je vais utiliser ce parchemin que j'ai ramassé là, qui est un parchemin de foudre. Oh, ils sont classe les effets de foudre, dis donc. Tiens, mange ça dans ta. Ah oui, effectivement, les effets de foudre, ils sont classe. On va investir dans les sorts de foudre. Oui, je sais, il y a que le style qui m'intéresse dans les jeux de rôle, c'est. Je fasse gaffe à pas renverser ce tonneau qui m'a l'air d'être un. Ah non, je crois que c'était un tonneau de poison, mais ça a l'air d'être un tonneau d'huile. Je suis en train d'essayer de le charger là en fait avec Manesco. Voilà. Ah si, c'est bien un tonneau de poison. Donc j'ai fait exploser la moitié de l'écran, mais c'est pas grave. On va se déplacer là parce que. Oh la vache. C'est dangereux cet endroit, dites-moi. Donc je vais essayer d'éviter de marcher dans les flammes parce que évidemment, se foutre le feu, c'est pas une bonne idée. Voilà. Est-ce que je peux casser ce truc-là? Je suis pas certain. Je pense qu'elle doit avoir la portée suffisante avec sa gigantesque clé mort qu'elle traîne par terre comme un personnage de RPG japonais. TKTS même. Voilà, tu vois, la barrière, elle en a rien à foutre. Ouais, voilà. Les archers sont plus efficaces de près que de loin, ce qui est un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Donc je vais soigner madame. Ouais, les effets de sort sont assez cool, je trouve. Je suis assez satisfait, je dois dire. Manesco est empoisonné, mais il a 1 milliard de points de vie, donc ça ne devrait pas être un problème. Et voilà qui est fait. Donc là, pour ceux qui se posent la question, le point d'exclamation au-dessus de la tête de mes héros, ça veut dire qu'ils peuvent s'entretenir dans une petite discussion qui doit être très intéressante lorsque tu joues en coop, mais qui sert absolument à rien lorsque tu joues tout seul comme moi, donc voilà. Vous pouvez voir, c'est un peu la merde sur le champ de bataille. Donc, il y a un arc qui est tombé. On va le ramasser, même si j'ai pas d'archet. Les archers ont l'air assez cool, mais c'est dommage que les animations de tir à l'arc sont aussi pourries, quoi. Parce que les archers ont des flèches spéciales qui sont pas mal du tout, en fait. Tu peux faire pas mal d'effets assez cool avec. Mais vraiment, les animations de tir à l'arc sont vraiment nulles à yesh. Crazy Squirrel, il est effectivement possible de jouer avec les éléments. Pour te donner un exemple, si je balance un sort d'eau sur un ennemi et qu'ensuite j'utilise un sort de froid, ça va créer une flaque de gel par terre. Et évidemment, les ennemis qui vont. Enfin, les ennemis et les alliés, parce qu'il y a du Friendly Fire, ce qui est une bonne chose, qui vont marcher sur cette flaque de gel vont avoir une chance de se péter la gueule. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vraiment, le système de combat du jeu est vraiment pas mal. C'est plutôt tout le reste que. Je trouve assez critiquable à de nombreux endroits. Surtout le truc, vraiment, le sens de l'humour de l'Ariane Studio, vraiment, sérieusement, les mecs, vous devriez vraiment arrêter, quoi. C'est tellement pas drôle et ça s'intègre tellement mal avec le reste du scénario qui est très premier degré. Je trouve ça assez dommage. Ok, que dalle là-dedans. On va essayer de continuer à chercher les ennuis. Ouh, un portail, cool. Permettra de revenir ici plus vite à l'avenir. Donc l'XP d'exploration, on en récupère à chaque coup qu'on rentre dans des endroits intéressants. Donc ça peut être sympa, notamment lorsqu'on cambriole les maisons des gens, qu'on rentre à des endroits où on n'est pas censé aller, on récupère de l'XP d'exploration. Et on peut également voler...
toute leur déco. Je suis notamment un voleur de tableaux réputé dans la ville. J'ai volé tous les tableaux. Ils se vendent super bien les tableaux et j'avais besoin d'une armure de plaque pour Manesco, donc trafiquant de choses obtenues de manière totalement légale. C'est qui m'attaque là? Les gens qui sont sur le dessus. Ok, ça va être fâcheux là. Oh, et puis il y a des gens en bas aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se mettre à distance de ces charmants archers qui sont là-haut là, parce que quelque chose, me dit. Ça va pas être une bonne idée d'être à distance. Alors évidemment, un lanceur de sorts dans un jeu de rôle, c'est toujours la cible prioritaire, comme je le disais très souvent dans mon run de Baldur's Gate. Dès qu'on voit un lanceur de sorts, on lui pète les jambes. Donc oh, bonne nouvelle ça. Donc Manesco a renversé deux personnes sur son chemin, ce qui est une excellente chose. D'ailleurs, je pense qu'à terme, Manesco, je lui mettrai le talent qui te permet de faire plus de dégâts sur les mecs qui sont à terre. Je pense que ça risque d'être un excellent investissement. Et j'ai encore oublié d'activer ta stance pour le combat au corps à corps, toi, évidemment, parce que je suis malin comme garçon. Alors, l'araignée, tu vas bouffer le mage. Enfin, c'est un prêtre, techniquement, mais bon. Ok, bon, on s'est débarrassé du prêtre en premier, ce qui est une excellente nouvelle. Parce que les sorts font très très mal. Shit, les archers peuvent me shooter d'ici. Je vais essayer de les... Ok, donc je suis congelé, je crois, oui. Donc voilà, bah, un bon exemple de... Aïe. Un bon exemple des interactions dont je parlais tout à l'heure, si la caméra arrêtait de changer d'angle. Donc mon personnage était mouillé à cause de la pluie, j'ai pris des dégâts de froid, donc maintenant, vous voyez, j'ai une belle statue de Shoka à côté, là. Alors, Manesco, Madame Manesco, Madame Manesco, il va coller un coup de hache sur ta gueule. Ouh, ça pique ça! Ça choque à pic. Est-ce que j'ai du Friendly Fire sur cette attaque? J'en sais rien, on va tester. J'espère que je vais pas tuer mon mage, hein, ce serait dommage. Non, ça va, il n'y a pas l'air d'en avoir sur celle-ci, c'est plutôt cool. Donc là, en fait, j'ai utilisé une attaque qu'ils appellent Dust Devil, il me semble, voilà. Qui, contrairement à Dungeons & Dragons, n'est pas une invocation complètement useless, mais une attaque. Pirouettante. Bandinosaur, il me semble que le jeu est sorti hier soir. Donc tu peux l'acheter si jamais tu es convaincu. Donc lui, quelque chose me dit qu'il est pas sympa. Tiens, bah, vous pouvez. Quel bel exemple! Donc, ce squelette qui s'est dit je vais aller péter la gueule à Shoka pendant qu'il est congelé parce que je suis un FDP de squelette, a marché sur la patinoire et s'est cassé la gueule. Ça t'apprendra. Et Manesco lui colle un bon coup de hache. Manesco fait très mal avec sa nouvelle hache en fait. J'ai été critique assez rapidement tout à l'heure, mais. Donc, on va essayer d'esquiver la flaque de glace là. Est-ce que je l'esquive là? Non. Oh, genre l'araignée, t'as 8 pattes, comment tu fais pour te péter la gueule? Le Dread, globalement, pour l'instant, je pense que le système de combat est très fun, et le reste du jeu, par contre, je suis pas vraiment très fan. Oh, c'est pas fair play de taper sur les gens lorsqu'ils sont à terre. Ok, donc je me suis enfin relevé. Je vais balancer un sort de soin sur Madora. Il est pas mal le sort de soin de base, d'ailleurs je vous le conseille si jamais vous créez un personnage personnalisé comme je l'ai fait. Il est vraiment pas mal en fait, il rajoute un petit peu de points de vie au début, mais en fait il continue sur plusieurs tours, donc c'est vraiment pas si mal je trouve. Il fait le taf. Et au passage, les points de vie que Manesco récupère à chaque coup qu'il tape sur un mec, en fait c'est grâce à sa capacité Leech. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une excellente idée d'investir dans cette capacité parce que... A chaque coup, voilà, il y a du sang qui coule, bah Manesco va récupérer de la vie, ce qui est un peu méga utile pour un mec qui se bat au corps à corps. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, il prend 16 de dégâts, mais il en récupère 12. Donc techniquement, il prend pas tant de dégâts que ça, quoi. C'est vraiment assez pratique. Ah, j'avais oublié que t'existais, toi, mec. Bah écoute, mange un coup de masse sur la gueule. Mon araignée va pas tarder à disparaître, je pense. Je fais des dégâts respectables hein, avec mon petit healer, là. Pas exactement une brutasse à la Manesco, mais tout de même. Donc il est possible que je fasse des dégâts supérieurs puisque c'est une arme contondante et que c'est des squelettes que j'affronte. Ok, donc mon araignée est décédée. Donc je fasse gaffe à Madora, là, elle est en train de prendre très cher.
Je sais pas si elle a une potion de vie sur elle. Ou ouais, mais si elle en a une, je crois que ça va être une bonne idée de la boire. Si tu survis. Si tu survis. Si tu survis pas, ok. Bon bah Madora, on te ressuscitera, écoute. Ce n'est pas un problème. Est-ce que je peux invoquer une araignée là-haut qui arrête de me péter les burnes? Non, je suis hors de portée. Bon, tant pis. On fera ça au prochain tour, je pense. Putain, c'est un clubber, lui. Il va sur le dance floor tous les soirs. Donc là, ça va être franchement gênant cette histoire parce que atteindre les archers, ça risque de nous prendre bien longtemps. Je me demande si je peux ressusciter Madora pendant un combat, tiens. Oui, et ses FDP ont une bonne portée en plus. Donc on va essayer de peut-être mettre autant de distance que possible entre eux et moi. Ok, donc lui visiblement il va vouloir faire le tour. Donc je vais essayer de me. Je vais essayer de me foutre à un endroit relativement safe. Je pense que par là ça devrait être cool. De manière à ce qu'ils aient pas le temps de me tirer dessus. Et je vais sans doute essayer d'invoquer une araignée également, pas tard. Oh bah il peut prendre son temps, je suis pas franchement désolé. Est-ce que je peux balancer une araignée là-haut pour l'instant? Non, j'ai pas assez de place. J'ai combien de points d'action? Si je me rapproche d'un point d'action. Non, je ne peux plus lancer le sort d'araignée. Il est très gourmand ce sort. Je crois que Manesco est moins rapide que moi parce que son armure est plus lourde. Deux. J'en prends plein la tronche, hein. Faudrait que je me mette de côté. Crazy Squirrel, je sais pas si je jouerai suffisamment au jeu pour jamais lui donner un avis définitif un jour, honnêtement. Un peu des trucs. Le jeu est sympa, hein, mais j'ai tellement de trucs à jouer en ce moment que je pense pas que je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Ah c'est sûr, Tierlook, ça change de Divinity 2, mais en même temps dans la série Divinity, je crois qu'il y a quasiment aucun des jeux qui est du même style que le jeu précédent de la série, donc... Ouais, on commence à m'agacer les archers, là. Essayer de mettre autant de distance que possible entre eux et moi. Bah, le premier, c'était un hack and slash. Il me semble que le deuxième était un hack and slash aussi. Et ensuite, c'était plutôt un action RPG. Donc... Ouais, on va sortir l'araignée, je pense, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que je peux charger un de ces FDP avec Manesco? Nice. Se déplacer coûte beaucoup moins cher qu'attaquer, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais me soigner encore un petit coup et ensuite je vais venir prêter main forte. Allez, scale. Ok, un petit coup de hache dans ta tronche. Bon, l'avantage c'est que les archers ont pas 1 milliard de points de vie. Donc ça, ça devrait être réglé. A noter pour les gens qui veulent jouer un archétype de type voleur que j'ai l'impression que les voleurs attaquent vraiment énormément de fois par tour. Les attaques à la dague utilisent beaucoup moins de points d'action. Je crois que c'est genre 2 la dernière fois que j'avais une dague. Donc c'est un peu méga rentable si vous arrivez à bien vous placer, je pense. Après, c'est pas un archétype que j'ai testé pour l'instant, le voleur. Peut-être que j'essaierai d'en recruter un plus tard. Pour voir ce que ça donne, ça peut être sympa. Mais je dois dire que je me contente assez bien des combattants au corps à corps que j'ai pour l'instant, donc je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'investir dans un voleur. Mon araignée est décédée. Voilà qui est fâcheux, je vais être obligé d'en invoquer une autre. Je pense que l'araignée doit être beaucoup plus efficace lorsque tu te bats pas contre des monstres qui sont immunisés au poison. Mais bon.
Elle tank plutôt bien, donc c'est relativement cool. Manesco, est-ce que t'as besoin de vie, mec? Pas vraiment. On va se rapprocher. T'es un peu loin, toi, mais c'est pas grave. Soigner Manesco, je pense qu'un bon coup de hache dans la tronche de ce squelette devrait lui apprendre les bonnes manières. Bon, quoique il en fera peut-être plus qu'un en fait. Voilà! Alors, est-ce qu'ils ont droppé des trucs cool? Ouh, une armure! Un sort de soin, visiblement. Tire-loup, je sais qu'il y a d'autres invocations. Notamment, j'avais un parchemin d'invocation de mort-vivant. Après, je peux pas te dire si elles sont meilleures parce que je les ai pas testées, honnêtement. Et puis, c'est difficile vraiment de jauger l'efficacité de mon araignée alors que je me bats que contre des morts-vivants qui sont méga immunisés à son poison. Il est où le cadavre de Midora? Blablabla. Madora, j'arrête pas de l'appeler Midora. C'est Madora qu'elle s'appelle. Ah? Ok, sauvegardons. Et on va aller jeter un œil à l'armure qu'on vient de ramasser avec Manesco. Madame Manesco. Antique mais... Ah, mais elle est très bien cette armure, dis-moi. Elle est pas mal du tout cette armure. Elle est un peu plus lourde que la mienne. Elle a un petit peu plus d'armure. Elle a moins de résistance élémentaire, par contre, c'est dommage. Vas-y, mec. Équipe. On va filer ça à Madora. Peut-être qu'elle se fera moins péter la gueule. Ouais, pas sûr, pas grave. Ouais, moi j'ai pas assez de force pour utiliser ces armures-là, malheureusement. Pétrarque, lorsque tu débutes le jeu, tu crées deux personnages et ensuite tu peux en recruter deux autres. Ouais, ça va me servir à que dalle. J'ai 1 milliard de parchemins sur WAM, là. Ce truc-là, j'ai toujours pas compris à quoi il me servait. Ah, elle est pas si mal cette dague là. Elle est même très bien cette dague. Ouais, elle est très bien cette dague, vas-y. Faudrait que je me mette assez de force pour utiliser un bouclier en fait. Je pense que ce serait fort utile. Pour mon healer. Et vraiment, le truc que j'aimerais bien trouver, ce serait une putain de loupe de. L'identification. Ok, donc ça c'est un livre de skills qui à terme va me permettre d'apprendre de nouvelles compétences. Ça sert à quoi ça? Ok. Ok, faut un niveau en scandrel. Fort bien. J'ai trouvé un chouette arc aussi. Envoyer ça à Shoka, voir si c'est pas mieux que le truc que j'aime, j'en doute. Ah si, c'est beaucoup mieux en fait. Ok, mais l'autre me file un bonus d'initiative. Ouais. Tant qu'à faire, je préfère l'armure que l'initiative. Bon, eh bien, on va aller voir ce qui se passe sur cette colline. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose par là. Ramasser les herbes, même si j'ai encore pas fait grand chose avec le système d'artisanat, et par grand chose je veux dire rien du tout. Je suis allé par là, moi. Ok, donc je suis allé par là, mais pas jusqu'au bout. On va aller voir ce qu'il y avait sur la colline aux Archelles. Aux Archelles, il y a effectivement un système d'artisanat, je m'en suis pas encore servi par contre. Visiblement, on peut également se servir de la forge pour réparer nos items au bout d'un moment. Je m'en suis pas encore servi non plus. Ouh, un coffre. J'espère qu'il n'est pas verrouillé.
Sauvegarde avant d'ouvrir les coffres parce que les développeurs trouvent drôle de mettre des pièges qui tuent en un seul coup sur certains objets. Ce que je trouve assez grotesque, mais bon. Ça a l'air plutôt cool l'armure que j'ai ramassée là. Le problème c'est que j'ai peur de le rendre trop lent en fait, à force de lui coller plus en plus d'armure. Ouais, celle-là elle est relativement cool. Relativement cool. Il me semble qu'Honor c'est mal fréquenté, donc on va peut-être pas y aller en fait. Je vais plutôt aller du côté du portail de tout à l'heure là, parce que je crois que le chef de la Légion en ville m'a dit qu'Honor c'était vraiment le bordel, donc on va plutôt éviter le nord en fait. Promenons-nous dans les wabs. Ah, résistance au feu, ok. Quelque chose me dit que ça va être mal fréquenté là-haut, sinon ils auraient pas mis un putain de portail juste devant. Je ne sais pas ce qui. Ah! Ça sent le groupe de la Légion aussi. Ok, donc nous avons un combat, nous avons un explo-squeletton, un mage, ça c'est des archers, et un autre explo-squeletton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en dehors de leur ligne de visée, de manière à être relativement safe. Je serais tenté d'invoquer une araignée, histoire que les squelettes explosifs m'explosent pas la gueule en fait. J'espère être suffisamment loin avec mon mage pour pas être en danger. Ah, c'est une rapière, c'était pas une dague le truc, ok. Fort bien. J'ai l'air un peu stupide en robe avec ma rapière, là, mais bon. Ah, j'aurais dû activer sa stencil, comme d'hab. On va voir si je peux te tuer, toi. Certes. On va aller faire chier les archers au corps à corps. Ouais, Dathan, je suis assez d'accord avec toi. Visuellement, ça se défend. C'est pas technologiquement très avancé, mais ça se défend tout à fait. Enfin, je dois avouer que j'ai jamais été très fan de la direction artistique de la série Divinity, mais bon. Donc ça, c'est une espèce de cri de guerre qui donne des bonus de stats à mes potes. Je me demande si je peux te faire exploser avec ça malgré le fait que t'es immunisé au poison. Toi. Non. Voilà qui était un bon investissement de mes compétences. On va aller se rapprocher du mage. Faut faire gaffe parce que généralement ils ont. Enfin c'est pas un mage. Ah si c'est un mage, celui-là. Généralement ils ont des cônes de poison assez chiants. Ah ok, il a charmé mon araignée, voilà qui est fort fâcheux. Ok, le Friendly Fire visiblement lui il a jamais entendu parler. Je sais pas ce qu'il essayait de faire, mais je suis pas tout à fait dérangé, honnêtement. Donc évidemment, le nuage vert, c'est un nuage de poison. Ouais. Moi qui pensais passer à côté, c'est raté. Je sens qu'il va m'exploser à la gueule. Il est très mal embarqué ce combat, dis donc. Est-ce que je peux choper le mage d'ici? Très agaçant ce mage. Ok, je sais pas ce que c'est qu'à exploser, mais visiblement quelque chose a explosé. Ouais, le jeu est en tour par tour. Ouais. Ça, quelque chose m'a dit que c'est une mauvaise nouvelle, quand même. T'as fini de foutre le feu à tout le monde, toi?
Manesco, tu vas prendre une potion, mon vieux. Tu vas sortir des flammes. Alors moi, je suis en feu, ce qui est rarement une bonne nouvelle. On va invoquer une nouvelle araignée. A priori, la pluie devrait m'éteindre assez... Bah, elle m'a déjà, voilà. C'est déjà fait. C'est l'avantage de se battre sous la pluie. Elle a pas de potion de vie, elle, ce qui me semble être un très mauvais... investissement de sa part, enfin que j'y enfile. GG l'araignée, ta participation à ce combat est absolument glorieuse. Ok, donc l'archer là il va sans doute perdre son temps, ce qui m'arrange beaucoup. Objectif magic. Fort bien, Manesco, est-ce que tu... T'as pas assez de points d'action pour ça, ok. Écoute, tu vas rester là, mon vieux. Reste dans ta flaque de sang, ça te redonnera de la vie. Je vais me rajouter un peu de life parce que je pense que je vais être la prochaine cible de l'archer. C'est fort probable. Je vais me décaler un peu par là histoire de forcer l'archer à faire le tour du bâtiment avant de pouvoir me taper dessus. C'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ok, j'ai toujours pas activé sa stance au corps à corps. Hein. Ok, donc on s'est débarrassé du mage, c'est le principal. Tire sur l'araignée, mec. Bonne idée, bonne idée. Je peux même la tuer si tu veux, c'est pas grave, j'en invoque un Rhino au prochain tour. Donc là, grâce au point d'action que j'avais gardé, j'ai pu one-shotter ce type. Fort bien. Fort bien, donc on va soigner Madora parce qu'elle a pris très cher pour pas changer. Ouais, bon, ça s'est mieux terminé que ça avait commencé, disons. Ah, petite sauvegarde pour le fun. Ah bah c'est une flèche spéciale qui va me servir absolument à que dalle. Lucky Find! Donc ça, Lucky Find, ça veut dire que j'ai utilisé mon score de chance. Parce qu'il y a une capacité qui s'appelle Lucky Charm, je crois, qui augmente en fait tes chances de trouver des objets cool. Donc voilà. Ceci est un objet cool, sachez-le. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, vu que c'est un sort de froid. Alors, il y a Shoka qui commence à avoir 50 milliards de parchemins sur lui. C'est vraiment un truc que je trouve une décision d'ergonomie complètement inexplicable, cette volonté de pas changer la fenêtre d'inventaire quand tu cliques sur le portrait du mec. Je trouve ça vraiment étrange. Enfin bon. 25 pièces d'or. Des bûches. Une clé. Il y a quoi là-dedans? Ça c'est pour faire des flèches. Ça c'est rien. Y a-t-il dans ce gros tonneau que dalle? Ouh! Et si je bougeais ce tapis pour révéler cette trappe trop bien cachée? On va finir de looter et ensuite on va aller se balader là-dessous. 50 pièces d'or. Mais non, ça brûle pas ce même. L'espèce de nuage gris autour, en fait, c'est un nuage d'eau. Voilà, verre de bière. Est-ce que je les ai fouillés ceux-là? Je crois pas. Ah bah une potion de vie, j'en finirai une à Madora. Lucky Fine! Une pomme, sérieux? Ouais, avec les flèches, tu peux vraiment devenir un Hawkeye en puissance. T'as 50 milliards de types de flèches qui te permettent d'assommer les types et tout, c'est plutôt pas mal, je trouve. J'avais ramassé un truc que je voulais filer à quelqu'un d'autre, je sais plus ce que c'était. Bah en fait, elle en a des potions, c'est juste que je les ai pas mises dans sa... barre de raccourci size. Ok. Bon, on va aller rendre visite au souterrain. J'imagine que ça va être très mal fréquenté là-dedans. Une bouteille vide. Une boîte. Ouais, encore des objets non identifiés que je peux pas identifier. Ok, donc là j'ai gagné un livre de skill. C'est plutôt cool de pouvoir trouver des livres de skill comme ça dans la nature. J'en ramasse des conneries là, dis donc. Ok, donc ça, ça demande niveau 7. Donc, je suis pas prêt de pouvoir m'en servir, je crois que je suis genre niveau 3, donc... Potion de force, cool.
Ah, j'ai pas assez de force pour bouger ça. Ok. Je viens de ramasser une potion de force, donc au pire, si je trouve pas de moyen d'ouvrir, on tentera avec la potion de force. Ok, ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Quand c'est un peu le bordel dans le sac à Manesco. Est-ce qu'ils sont mieux que les miens, ceux-là? Oui. J'ai 10 d'armure avec Shoka, 30 avec Manesco, ok. Ramassons ce champignon. Qui servira sans doute à quelque chose un jour. Un frasson, les objets équipés changent effectivement l'apparence des personnages. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait des masses d'apparence différentes non plus. C'est plutôt des variations sur le même thème, mais il y a effectivement une réelle influence de ce que tu ramasses. Ok, bon, je crois qu'on va tenter la potion de force sur Manesco. C'est lui qui a le plus de force, je crois. Ouais. Pour essayer de bouger cette espèce de couvercle là. Ok, donc j'ai réveillé un fantôme. Ok, visiblement c'était un marin ce fantôme. Ok. Ok, donc visiblement le seul choix que j'ai c'est de l'affronter, bah écoute. But there she is, dude lines. So what are you made of? Ok. J'ai 35 secondes pour casser ce truc. Chante-mâche, elle va prendre très cher dans le process, mais bon. Well, you've bested me indeed. I think I'll give this place the old 23 skidoo to find a worthy opponent in the Hall of Records. Sayonara! Ok, bah écoute. 600 points d'XP, je vais pas me plaindre. Plus des objets magiques. Enfin, magiques. Des objets non identifiés. On va pas lui reprocher de nous avoir mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Je vais regarder la durabilité de mon arme au passage. Ouais, 28 sur 70. Il va falloir arrêter de casser les trucs à la hache. Je pense que c'est pas forcément la meilleure idée qui soit sur le long terme. Il faudrait que j'investisse dans une arme que je réserve pour casser les choses. En voilà une bonne idée. Lucia et Malius. Bonjour Lucia et Malius, vous êtes qui? Vous avez des noms de légionnaires? Ok, donc c'est l'escouade de légionnaires qui a été envoyée pour le phare par Aureus, ou qui m'avait demandé de les retrouver. Ok, visiblement ce sont les deux seuls survivants. Hein. Ok, donc ils veulent que j'aille au phare. Au pharaon. Zbeb, cette blague. Ils veulent que j'aille au phare pour flinguer des morts-vivants, visiblement. Ce qui va pas beaucoup me changer, puisque c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Le phare, c'est par là? Je sais pas, hein. On va dire que c'est par là. Ouh, une bonne sauvegarde automatique qui veut dire qu'on va se faire péter la gueule. Donc on va soigner Manesco, hein. Et on va attendre que le sort de soins finisse de lui remonter sa vie. Voilà. Et on va aller se faire massacrer la tronche. The
further we go, the more bodies we find heaped around. We must be closing in on where they were headed. Permets-moi de me servir sur tes dents, mec. Ramasser ces champignons qui me serviront sans doute jamais à rien, mais bon. Squelette. Squelette. Ok. Que dalle dans ce baril. Donc là, nous avons une fois de plus des chevaux de frise. Ils ne servent pas à grand chose parce que je pense pas qu'il y ait grand monde qui veuille faire une charge à cheval dans le coin. Ah, ça m'a l'air d'être un phare, ça, donc je suis dans la bonne direction. Ouh, et ça m'a l'air d'être mal fréquenté ici. Oh, c'est quoi ce truc? La goule qui garde le phare, ok. Nous avons des horreurs lupines. Donc écoutez, ce qu'on va faire, ce qu'on va vous attendre, en espérant que la goule qui garde le phare n'est pas une goule qui se bat à distance. Et on va invoquer une araignée juste devant, là, histoire de vous tenter d'attaquer l'araignée plutôt qu'Ouam. Faudra que tu me dises au passage l'araignée d'où tu descends à chaque coup, parce que... c'est... assez intriguant. Et je vais activer ma stance au corps à corps au bon moment, pour la première fois de l'univers. Eh, les loups, peut-être que je peux les empoisonner, dis donc. Oh, ils ont l'air de faire mal, ces FDP. Ouais, ils ont l'air de faire très mal, mais bon, tant qu'ils tapent sur l'araignée, ça me dérange pas trop. Ah, tu as fait 14 points de dégâts à Manesco, il en a récupéré 12. Tu fais tiep. Baninosaur, c'est toujours difficile pour moi de juger si le jeu tourne bien ou pas, parce que ça a pas l'air d'être un jeu très gourmand, et mon PC est, est censé être relativement puissant, donc... En tout cas, moi j'ai pas eu de problème avec, c'est tout ce que je peux te dire. Je sais pas si ça te renseigne des masses, malheureusement, désolé. Ouais, donc en fait, ton poison, c'est juste que c'est de la dope, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Oh, quelque chose me dit que t'attaques à distance, là. Je sens que tu vas être agaçant. Ok, tu fais de la trompette, je suis ravi pour Watt. Oh, tu te téléportes, fort bien. Voilà qui risque de pas être agaçant du tout. Un archer qui va... évidemment. Les archers, ils ont l'air d'avoir une... non, pas une deuxième? Je suis pas forcément... ouais. En même temps, techniquement, tu touches plus d'alliés que d'ennemis, donc... c'est quoi ça, explose que l'étonne, ok. Donc Manesco est en flamme, mais Manesco est sous la pluie, donc ça devrait pas être trop un problème. Non, il a... je crois qu'il les a endommagés, mais il les a pas tués. Nice! Manesco for the win. Manesco for the win... on va le soigner au passage. Ah, comme ça, pendant les prochains tours, il devrait être relativement safe. Je vais me mettre un petit peu sur le côté, histoire de pouvoir placer mon attaque à distance. Parce que la ligne de visée est évidemment prise en compte. Je peux charger jusque-là. J'ai l'impression que je peux. Mais quelque chose me dit que ça risque d'être méga risqué et que tout ça risque d'exploser. Donc je sais pas si c'est une riche idée, en fait. Ok, donc ça, c'était vraiment le choix stratégique le plus stupide de l'histoire de... des choix stratégiques. Mais bon, j'ai tué un loup, c'est toujours ça de prix. Sors des flammes également, si tu pouvais. Et... ouais, rester à côté de ce baril d'huile me semble être une excellente idée. Je sais pas pourquoi, mais... ah, et puis l'autre, il a brûlé. Donc ok, merci l'archer d'avoir fait du friendly fire. T'as brûlé ton pote, donc c'est plutôt cool. Ouais, Dr. Awak, la hache de Manesco, effectivement, elle plaisante vraiment pas. Ce qui est plutôt cool, en fait. Donc la pluie devrait éteindre Madora, a priori, au bout d'un moment. Par contre, le type qui se téléporte, je pense qu'il va être gênant. Tirez sur l'araignée, les mecs. Elle est vraiment hyper dangereuse. Depuis tout à l'heure, elle empoisonne tout le monde. C'est absolument atroce. Oh, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ok, donc quand il est mouillé, il peut pas exploser, lui. Ce qui est une bonne nouvelle. Une des rares bonnes nouvelles de ce tour. Je devrais pouvoir... je sais pas si je vais pas être empoisonné à m'approcher là. J'ai pas trop envie d'être empoisonné en fait. Tu m'excuseras, hein, Madora, mais tu vas te démerder pour ce tour-là. Alors essayons ce projectile sur le loup pour voir si on peut empoisonner les loups. Bon. J'ai pas empoisonné les loups, mais visiblement j'ai causé beaucoup de dégâts, donc je vais pas me plaindre. Oh non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec cette idée.
Ah, c'est une lupine aurore mort-vivante, c'est sans doute pour ça que je peux pas l'empoisonner. Rise from your grave. Ouais, ok, donc il est en train de ressusciter ses potes, ce FDP, c'est ça le truc. Donc il va falloir que je pète la gueule à la goule. La gueule à la goule. Magnifique allitération en jeu. Nice! Apparemment, je récupère une deuxième fois de l'XP lorsque je bute ces mecs qui l'a ressuscité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en fait. Bonjour messieurs! Madora est en train de crever, comme d'hab. Ouais, prends une potion. Tabasse-moi ce vilain loup. Elle fait mal, hein, elle aussi, mine de rien. Pas autant que Manesco, mais pas loin quand même. Je sais pas ce que c'est qu'explose depuis tout à l'heure là, mais. Alors, Manesco, est-ce que tu pourrais tabasser ce truc immonde? Merci. Oh, il a l'air d'avoir pas mal de vie lui. On va s'invoquer une petite araignée, genre là. Voilà qui est plutôt fort bien. Oh, genre tu rates, tu sers à rien, Madora, t'es useless. Et arrête de brûler, sérieusement. Ouais, on va essayer de buter la goule en premier, parce que je pense qu'elle est largement plus dangereuse que le reste des autres, en fait. Ok, son attaque au corps à corps fait tiep, mais empoisonne, et fait très mal, ok. Et tu tapes 17 fois par tour, pour ne pas... rajouter d'ennui à tout ça. Manesco a fait pas mal de coups. L'autre avec sa flèche enflammée là depuis tout à l'heure, il a tué 15 de ses alliés quoi. Ah, c'est pas le moment de rater les mecs. Ouais, deux fois d'affilée, c'est un poil gênant. Madora, arrête de clamser. Grrr, nous dit le loup, qui est visiblement en colère. Si tu pouvais arrêter de bondir, toi, ça te rendrait un petit peu plus facile à cibler. Ouais, décidément, cette capacité leech est un peu méga utile. Je pense que je vais la mettre à tout le monde, en fait. C'est genre juste méga serviable quoi. Allez Manesco là, un bon coup de hache sur la tronche de la goule qui arrête pas de bondir. Nice! Je peux participer moi, si je veux. Ouais, donc avec les armes qui... de voleur, t'attaques deux fois par tour visiblement. Curieux, écoute, je vais pas m'en plaindre. Lui, il est quasiment mort, donc on va aller plutôt dire bonjour aux archers. Oh la vache, elle a pris 1 milliard de points de dégâts sans raison apparente, elle. Ok, donc toi... Ouh la vache, 1500 points d'XP. J'aurais préféré que tu m'exploses pas en visage dans un nuage de poison, mais... Pour le reste, je me plains pas des masses de la quantité d'XP que j'ai de ramasser. J'ose dire que Madora va y passer une fois de plus. Nice, joli coup. Donc vraiment un bon investissement d'avoir un healer dans ce jeu, comme dans la plupart des jeux de rôle de toute façon. Sérieusement Madora, comment tu fais pour être encore en train de brûler? Il te reste combien de points de vie? 20? Va-t'en. Ok, ça c'est une bonne chose de faite.
Biscuit and Fire, quand un perso meurt, tu peux le ressusciter avec un scroll de résurrection. Je préférerais éviter d'avoir à en utiliser un si c'est pas nécessaire. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'était pas nécessaire. Alors, ouh la vache, plein de trucs qui est tombé là. L'armure, des têtes de flèches qui vont me servir absolument que dalle. Une armure de métal. Des skills de fortify. Flèches empoisonnées. Il y en a des choses dans le coin. Ok, donc ça sert à créer ses propres sorts, j'ai l'impression. Enfin, ses propres parchemins de sorts. Parce que des fois, tu trouves des parchemins qui sont vierges. Du fric, des cheveux, visiblement. Des dents. Pourquoi j'ai ramassé autant de cheveux? Ah, c'est peut-être des poils plutôt que des cheveux. J'ai tué des loups. Là, est-ce que ça va t'empoisonner? Ça, j'espère que non. Une peau d'animal, Stardust. Voilà. Eh ben, bah, bonne chose de faite. Ok. Continuer à soigner tout ce petit monde. Et ensuite, on va rentrer dans le phare, je pense. Question. On va rentrer dans le phare. Il est quelle heure là? Il est 14h. On va rentrer dans le phare, voir ce qu'il y a dedans. Et puis après, ouais, je crois qu'on va être obligé d'arrêter, malheureusement. Ok, c'est cool, je vois rien. Merci. Donc, il y a visiblement une cave dans le phare. Ouh, il y a visiblement un fantôme dans le phare. Bonjour, monsieur Samson le fantôme. Ok. Ok, donc c'était visiblement l'ancien... gestionnaire du phare qui s'en veut parce qu'il a causé, du moins d'après ce qu'il a l'air de me dire, le naufrage d'un navire. Ok, parce que sa femme était à bord visiblement. Cool. Enfin cool, je sais pas si c'est vraiment le terme adapté à l'histoire qu'il vient de me raconter là. Un pied de poulet. Un coffre. Oh cool, une loupe. Et des chouettes bracelets. Voilà qui est plutôt une bonne nouvelle. Du fric. Encore du fric. Je crois qu'on explique à un moment aux développeurs de jeux de rôle que personne ne range son argent dans des tonneaux. De la bouffe et une potion. Il faudra que je la file à Madora parce que c'est elle qui consomme le plus de potions. Une pomme. On va ramasser ça également. Mais il est toujours pas ta crêpe, donc... Très bien. Oui, oui, je sais que vous avez envie de discuter, les mecs, on s'en fout, on joue pas en coop, ça sert à rien, votre truc. Ok, je vais retourner voir les légionnaires. Okay. Ils étaient où, les légionnaires? Ils étaient là, je crois, hein, c'est ça? Et je pense qu'après, on va se téléporter en ville et... clôturer le stream, car il est 14h passé, que je suis censé travailler, quand même. Censé, bien sûr. C'est pas comme si je le faisais vraiment, mais...
pour ça qu'ils vont Thunder Strike pour s'entraîner à Japan Expo. Shooter les autres à coup. Non, c'est un simulateur de téléphone. Bye. Ok, donc là j'avais le choix de leur raconter l'histoire ou pas. Ce coffre est verrouillé. Fâcheux, y'a pas une clé qui traîne. Pas l'air. Tant pis. Non, Krasralfril, ce n'est pas mon boulot, ça. C'est juste pour le FNU. Téléportons-nous en ville. Northgate? Northgate. Je vais aller voir Aureus. Voir s'il a pas de l'XPM filé. J'ai même pas gagné de level. Bon, en même temps, j'avais gagné un level juste avant de démarrer le stream, donc c'est peut-être normal que j'ai pas gagné de level pendant le stream. Mais on verra. Madora l'exploratrice, mon dieu. Manesco, qu'as-tu fait? Ok. Nice, donc j'ai gagné. Ouh, j'ai gagné masse XP pour ça, la vache! Ah bah, le level que je voulais, dis donc. 6300, bah dis donc, c'était rentable cette petite sortie là. J'ai gagné quoi? Un point de skill dont je vais sans doute pas me servir tout de suite. Ok. Bah écoute, c'était tout à fait rentable cette quête. Sauvegarder. Là, nous allons rentrer au menu principal. Voilà. Donc c'était un second aperçu de Divinity Original Sin, qui était un petit peu plus orienté baston que celui d'hier, qui était plus orienté discussion. Donc je pense que maintenant vous avez eu un assez bon aperçu de ce que le jeu peut offrir. Personnellement, je suis tout à fait intéressé par le système de combat. Qui est plutôt fun malgré quelques petites inexactitudes peut-être. Le système de combat est fun, la partie jeu de rôle est bof honnêtement, mais le système de combat est relativement rigolo. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse ce genre de jeu. On est quel jour aujourd'hui? Lundi, mardi, peu importe. Enfin bref, on se retrouve demain pour un nouveau stream. Je ne sais pas ce que je streamerai, on verra, on improvisera. C'est pas comme si on avait un planning. Et je vous souhaite un bon après-midi à tous. Ciao tout le monde.